Bien sûr, je voudrais m'adresser à lui, de le regarder en face, de regarder la souffrance qu'il a été complice avec son frère, la souffrance qu'il a fait pour nous, la souffrance qu'on est en train de vivre tous les jours, de perdre notre enfant, de perdre un jeune de 30 ans, qu'il avait plein d'espoir, plein de vie, qui était un militaire exemplaire. Et de voir cette mère en face de lui, si vraiment il a un cœur, il est humain, je voudrais voir comment il va réagir, parce que moi, je n'ai pas peur de lui. Je voudrais le voir en face et que je voudrais le regarder vraiment dans les yeux. C'est très important.